YouTube, salut. Je viens de te quitter une seconde, mais on enchaîne. Oh, ma manette est presque plate. Je viens de te quitter il y a une seconde. Nous arrivons à Tahiti Rea. Nous cherchons un pêcheur qui, je te le rappelle, j'espère que tu as vu l'épisode d'avant, je te le rappelle, ce pêcheur est censé se marier avec une sirène. Une sirène qu'on a rencontrée sur une île perdue, au milieu de la brume, une île un peu magique où le temps semble comme arrêté. Pas de vent, pas de bruit, pas de vagues. Et c'est la sirène qui nous a dit « Ah, mon humain, chercher mon humain, tout ça. » En gros, on fait un bon échange de procédés. Si on lui ramène le pêcheur qui avait promis de se marier avec elle, elle nous présentera à sa reine, qui vit dans l'océan. La reine qui pourra peut-être nous éclaircir sur la légende d'une des orbes que l'on recherche pour l'histoire principale. Voilà, voilà. Sauf qu'il y a quelque chose de magique là-dessous qu'on... étrange, hein. Kuro, des gros bisous. Merci d'être venu, d'être resté aussi longtemps. Repose-toi bien. Et force, hein. Force à toi, hein. Si ton taf te fatigue pour le moment, force à toi, mon vieux. Je vais pas lancer le sort rappel. Mais elle est morte. Celle qui a le sort rappel, Serena, elle est décédée. Elle est KO. Donc je pouvais pas, Arthur. Kuro, demain, je fais Metro Exodus, hein. Je sais que ça te hype peut-être un peu plus aussi. Je sais que là, c'est la fatigue, hein. Enfin, je dis pas ça pour quoi que ce soit. Hein. Un brin de valgue. C'est lui. Je peux descendre dans le puits. Ah, il est fermé, le puits, j'avais pas fait gaffe. Bon, ben... let's go, hein. Waouh, ça a l'air beau, là. Putain, tous les bâtiments. Putain, je croyais que c'était mon PC qui faisait du bruit, c'est ma PlayStation derrière. Mon PC, il fait zéro bruit. Depuis le nouveau Ventirad. Alors. Oh, here we are in beautiful Honolulu, a seaside paradise that Shell tells me is home to the prettiest pals in all the world. Il est incroyable, ce gars. T'as vu, Gérald, j'aime bien à chaque fois que t'arrives dans des endroits, il te montre quelques petits plans de caméra, je trouve ça très chouette. Je rappelle que la petite, Véronica, c'est pas une enfant, hein. Elle est adulte, mais elle a reçu un sort et ça ressemble à une enfant. Bright blue waves, pure white sands, and fabulous jewels just lying on the beach. Truly, darlings, this is the promised land. Although it does seem a little less promising than I expected, where is everybody? Something's not right here. Still, it's not our problem. Let's just find this Kai guy and get out of here. Qu'est-ce qui tourne pas rond? J'ai rien vu de spécial, y a pas beaucoup de monde, quoi. Déjà, y a une jolie fille qui nous accueille, on l'a pas vu dans la cinématique. Bonjour. Manava, bienvenue, l'ami. Bienvenue à Tahiti Rea. Oh putain, c'est dur. Hein. Le bord de mer paradisiaque aux eaux cristallines et aux perles parfaites. Nous espérons que tu apprécieras ton séjour. Morceau. Bonjour. Si tu es venu pour le 1, si tu es venu pour le commerce des perles, tu tombes à un mauvais moment, j'en ai peur. Une méchante tentapieuvre cause beaucoup d'ennuis dans les mers au sud d'ici. Et les hommes n'arrivent plus à pêcher quoi que ce soit. Je suis désolé. Nous n'avons plus rien à vendre. Oh là là, les gars, vous le sentez venir, la quête d'aller tuer la tentapieuvre. Tentapieuvre, ça doit être un mob immense, non? On a déjà une pieuvre géante, est-ce qu'ils en remettraient un autre? Putain, la caméra. J'aimerais que la caméra soit plus proche de mon personnage, des fois. Moi, je peut pas gérer, peut-être sur PC. Tu cherches Kai? J'ignorais que ce garçon avait des amis. Tu devrais t'adresser à sa maman, elle se trouve généralement à l'église. Dans la journée, du moins, hein. Dès que le soleil se couche, elle court jusque chez elle, d'où elle refuse de sortir avant le lever du soleil. Lendemain matin, ils sont un peu bizarres dans cette famille. Ok, donc on doit aller chercher la maman pour trouver le fils qui s'appelle Kai. Kai, c'est le futur mari, normalement, de la sirène. En tout cas, c'est ce qu'elle nous a dit. Et on est là pour venir le chercher parce que
Ah, la nuit qui tombe. Le son d'un tir de canon depuis le sommet de la falaise, quoi. Oh, il tire un... quand c'est la nuit, il tire. On va le chercher pour elle parce qu'il est toujours pas venu après je sais pas combien de temps et elle trouve ça bizarre. Miaou. J'ai les calamars. Je sais pas. Bonjour madame. Il y a une femme dérangée qui vit dans notre village. Elle est complètement taravane. Chaque matin, elle monte au sommet de la falaise et tire un coup de canon. On entend « T'as pas heureux ?» Boum, j'ai levé. Tu vois, j'arrive pas à faire les voix aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, elle doit avoir une dent contre les gens qui traînent au lit. Autant dans Pokémon, vraiment, je fais les voix pour tous, mais dans Pokémon, je les trie. Il y a les filles, il y a les vieux, il y a les jeunes enfants, et il y a les mecs normaux, on va dire. Et je fais que ces voix-là, tu vois. Ici, j'arrive pas à... Oh, Spider coquin. Je me suis marié il y a un mois à peine, et mon aimé est parti affronter la tente à pieuvre. Je prie pour qu'il revienne sain et sauf. Je vous en supplie, protégez mon mari. Oh, c'est triste. On ira sans doute en mer à affronter cette tente à pieuvre. Hein. Mais du coup, quand la nuit est tombée, on pourra pas trouver la maman. Il y a quelques mois de cela, une gigantesque tente à pieuvre est apparue dans l'océan, non loin d'ici. Depuis, nous n'avons pas pu attraper le moindre poisson, ni récolter une seule perle. Tous les hommes valides ont pris la mer pour chasser le monstre de nos eaux hein, et protéger notre gagne-pain. Mais toi, tu es là, toi. En tant que Tahuha de ce village, j'aurais aimé partir avec eux, mais je suis trop vieux et trop faible. Je n'aurais fait que les gêner. Ouais. Est-ce qu'on commence par aller passer la nuit? Ou j'explore un petit peu de nuit quand même la zone? Là-bas il y a du feu, on peut aller voir, hein. La nuit il y a peut-être de l'activité de ce côté-là. C'est une taverne ici quoi. Les pêcheurs de taille terrestre sont la force vive de ce village et l'âme de cette taverne. Je les connais tous depuis qu'ils sont à Marie-Rouvée. Petit garçon, tu me demandes si je connais Kai? Bien sûr, ce n'est pas un garçon très bavard. Mais pour être honnête, je n'ai jamais aimé l'idée qu'il parte en mer avec les autres hommes. Mais si tu veux mon avis, ce garçon est du genre à attirer les ennuis. Bah en tout cas, il a, ouais, vu qu'il veut se marier avec une sirène... Clairement, il y a un délire. Écoutez, je pense qu'on va... On va faire passer la journée pour trouver la mer. Hein. J'hésite, j'ai quand même envie d'aller voir. Maison de la femme au canon. Ah ouais, genre... elle aime vraiment les canons, quoi. Ah ouais, elle a des... Ah oui, c'est une maison canon, quoi. C'est le chat. Tu vois, la caméra, elle me gêne dans le jeu. Il y a plein de fois les trucs qui passent devant. Hein, c'est une petite vieille dame. Attends, je vais écraser vos petits ronds. Enfin, vos citrouilles. Vous avez du loot quelque part? Ah, mais attends, je peux peut-être dormir gratuitement? Ah non, je peux pas dans les villes, évidemment. Je n'aime rien tant que le bruit de la canonnade. Pour moi, chaque jour doit commencer et finir avec panache dans un grand baume. Mon défunt mari, paix à son âme, a fabriqué tous les canons que tu verras disséminés dans le village. Il les a faits pour moi et ils font un bruit du tonnerre. J'ai tiré à nouveau avec celui au sommet de la falaise quand le soleil sa course. Tends bien l'oreille. C'est une tarée. Mais elle a l'air gentille. Je vois que le chemin, il y a un chemin qui continue, c'est pour aller en haut de la montagne, c'est ça? Genre là-bas. Ça a l'air d'aller vachement... vachement loin. Est-ce que j'y vais? Ah ouais, c'est pour aller au sommet. Ouais, non, on va pas y aller alors. Ouais, tu sais quoi, ouais, on va aller passer la nuit. C'est mieux. Au final, il tombe ou tout ça. Ah oui, c'est vrai, c'est où qu'elle tire ses boulets de canon, quoi. Parce que, voilà. Hein. Chaque fois que quelqu'un tire une balle en l'air dans un film ou quoi, avec son pistolet, je suis là, mais la balle, elle va retomber quelque part. Enchanté, je suis venu de Tahiti Rea pour mettre la main sur... Je bug à chaque fois sur le nom. Hein. Pour mettre la main sur quelques-unes des plus belles perles d'El Rea.
C'est aussi la raison de ta venue ici? Non. Mais comment? Tu cherches un homme prénommé Kai? Je regrette, mais je suis moi-même un visiteur, je ne le connais pas. Allez, on va passer la night. Et du coup, c'est le bâtiment là. Oh, c'est une enfant. Quoi? C'est des enfants qui gèrent? Bonjour monsieur, j'ai combien à la banque? Je m'occupe de la banque jusqu'au retour de mon papa. Quand je serai grand, je voudrais devenir banquier. Alors je me suis entraîné pour savoir ce qu'il faut dire. Bienvenue à la banque du trésor de l'arc-en-ciel. Ton solde est actuellement de 3000 pièces d'or et j'ai que 1000 sur moi. Partir. Ma maman, elle est mal, elle est un peu malade. Et je m'occupe de l'auberge à sa place. Elle m'a appris exactement ce qu'il fallait dire. Allez, je commence. Alors, c'est dingue, c'est les mêmes dialogues que depuis les premiers Dragon Quest, j'ai l'impression, quoi. Passer la nuit. Ça coûte combien? J'ai même pas vu ça coûtait combien? Parce qu'on s'est déjà fait arnaquer, on a déjà payé presque 400 pour une nuit à l'hôtel dans l'autre ville, hein. T'es où, ma grosse Kai? J'espère que vous avez bien dormi, monsieur, revenez quand vous voulez. Sympa ici. C'est ça. C'est sympa, hein. Tu vois, regarde, les rideaux là, je sais pas comment on appelle, enfin les stores, les trucs que tu mets là, je sais pas, j'aime bien. Oh, c'est sa maman qui est malade. Oh, j'ai vraiment de la chance d'avoir des enfants aussi gentils. Même quand je suis alité, je peux compter sur eux pour faire tourner notre affaire. Je sais pas ce que j'ai fait pour les mériter, je suis tellement reconnaissante que je pourrais pleurer. Madame, vous avez du loot dans votre auberge? J'ai pas l'impression, hein. 105? 105 quoi? Du coup, j'ai regardé mes subs parce qu'on a 101. Encore merci à Panda, hein, tout à l'heure. Panda qui a offert 5 subs, c'est énorme. Le prix, ah, c'était 105. Ah, la nuit, merci, merci. T'as vu comment j'oublie tout, moi? J'oublie de quoi on parle. En même temps, vous êtes fatigué dans le chat, là. Comment vous voulez pas que je m'endorme, moi aussi? Je peux casser, ça? Ah, non. Je sais plus où on m'a dit que je pouvais la trouver, en fait. Donc ça va être un petit problème. Ah, mais si, c'est d'office au bâtiment principal, là-bas. J'ai pas été regarder les armes et les armures. Est-ce que je peux rentrer? Aki! Non, depuis le début, c'est vrai? Ah, let's go! Merci mon vieux, prends soin de toi. Prends soin de toi et merci pour le lurk, hein. Merci pour la force. On espère que tu vas bien, très cher. Des bisous, des bisous. J'ai pas du tout visité la ville, j'ai vite été sauvegardé. C'est où qu'on sauvegarde? Oh putain, c'est derrière. En fait, c'est grand. Ah ouais, moi je vais sauvegarder aussi, hein. Attends, je peux passer par là. Oh les petits... Oh non! Bah c'est là que je devais aller. Arthur, arrête. Look, look, Auntie's here. The show's about to begin. Il y a vraiment un truc? Sérieusement, Arthur? J'étais là, mais quoi? Ok, d'accord. Je crois que tu te foutais de ma gueule, genre appuie sur les boutons, c'est bon. Nous emmerde pas dans le chat, quoi. C'est Vegeta quand il était enfant et heureux. C'est elle, la maman? Are you all paying attention? Good. Then I'll tell you the tale of the terrible curse that befell our village long ago. Une malédiction qui a touché le village, ok. The curse of a crafty creature with a face as pretty as a pearl, but a heart as black as coal. Imaginez, elle raconte l'histoire de la sirène qu'on a rencontrée. Un visage aussi pur que le nacre d'une perle, mais un cœur aussi noir que le charbon. Imaginez la sirène, en fait. Elle m'a piégé. Et elle est méchante. Je suis sûr que ça va raconter l'histoire. Once upon a time, a master fisherman lived in Lanalulu. He caught more fish and gathered more pearls than any of the other men in the village. The mayor of Lanalulu, the big kahuna, was very fond of this fisherman
and offered him the hand of his beloved daughter. The fisherman and the kahuna's daughter agreed to be married, and the future of the village looked bright. Jusqu'ici tout va bien, ils vont se marier. Until the day of the storm. The fisherman was caught up in a terrible tempest, and he and his catch were thrown into the ocean. As he sank through the water, he saw the pearls he had gathered shining like stars all around him. The light faded, and he prepared to meet his maker. But instead, he met her, a mermaid more beautiful than any creature he had seen before. She held him in her arms and whispered in his ear. I will give you your life if you give me your soul. Many days passed and the fisherman did not return. The people of the village thought him dead and held a funeral for him on the beach. But just as they were beginning to sing his soul into the next world, he appeared, exhausted but alive. The kahuna's daughter was overjoyed to have her beloved home and stayed by his bedside night and day, nursing him back to health. But the fisherman was no longer the man she knew. All day he would stare out to sea, muttering over and over, "I must marry that mermaid." Then one day, he threw his fiancée aside and ran to the harbor screaming, "I must go back to her!" The kahuna was furious. He banished the fisherman from the village and burned his boat so he could never set sail again. And so, the man who was once the pride of Lonolulu spent the rest of his days alone on Saikiki Beach, haunted by the mermaid who stole his soul. Mm-hmm. Mais encore? That's all for today, children. I'll tell you the rest of the story tomorrow. Mais je veux la suite, moi, madame! Are scary! Whoa! The mermaid's coming to steal our souls! Run! What? Aloha, friends. Is there anything I can do for you? Laorana, mais en fait, elle a vraiment dit aloha, non? Elle a vraiment dit aloha. Ma théorie n'est pas la bonne alors. Bah ah ouais, du coup, tu découvres toi, Guerrio. Ouais, donc la sirène, c'est une méchante, mais qu'est-ce qui s'est passé au final? Le pêcheur n'est jamais allé la voir, mais c'était quoi le pacte exact? Parce que lui donner la vie, ok, mais elle prend son âme. Mais il est quand même retourné vivre chez lui, mais quoi, il avait plus son âme, je me demande. C'est ses parents qui lisent seulement la moitié de l'histoire le soir. C'est vraiment des bâtards, ces parents-là. Et tu sais, Wangso? Là, ça doit faire 2 ans que j'écoute presque tous les soirs. Presque. J'abuse un peu, mais Harry Potter en livre audio, quoi. Depuis 2 ans, genre, vraiment, c'est régulier. J'écoute, mais je m'endors presque instant. Parce que non, je les connais presque par cœur, les bouquins, tu vois. Mais c'est insane. Voilà, ça me fait penser à ça. Maybe we're looking for a fisherman called Kai. Do you know where we can find him? Ah, ça fait une tête bizarre. Oh my! What a coincidence! You must be looking for my son, Kainui. Are you friends of his?
Oui, mais après l'histoire qu'on vient d'entendre, il y a bien un délire. I'm afraid he's not here at the moment. All the men have sailed west to fight the giant squid that's been attacking our ships. Je vais mettre mon pull, j'ai un peu froid. C'est le prochain épisode dégoûté par la même mère. Franchement, mais de fou, hein. De fou, de fou. Après, c'est ce que je fais souvent. Des fois, je vous dis au revoir en live alors qu'il se passe des trucs de dingue. C'est déjà arrivé. Après, il y en a qui pleurent. Non, bata, continue, l'histoire est trop bien. C'est vrai que je suis un peu déçu aujourd'hui, mais c'est à cause de mon mood un peu étrange tout à l'heure, mais comparé à l'autre live de Dragon Quest, mais bon, c'était le premier de la reprise. Aujourd'hui, je sens moins la hype dans le chat comme la fois passée. C'est un peu dommage, je trouve. Ça me rend un peu triste tout net. Parce que c'est... Enfin, je sais pas, c'est des belles histoires. If you want to hurry things along, maybe you could go lend a hand. Once that monster's dealt with, they'll all come back to the village, sure enough. Oh, rejoindre les pêcheurs pour aller éliminer le monstre, pourquoi pas? But be wary, friends. That squid isn't the only danger out on the seas. Don't let a crafty mermaid make you all poupoule. I'd hate to see you go crazy. Bon, les sirènes, apparemment, c'est vraiment... c'est connu pour être dangereux, quoi. Des fois, les suites mettent 2 ans à arriver. Bah oui. Oui, oui, du coup, oui. Du coup, moi, mon live, oui, ça a mis 2 ans. Je savais même pas tilté que c'était à moi que tu faisais référence. Bon, petite save. Attends, ça va soigner mes Pokémon ou pas? Ça les soigne, on est d'accord, hein. Attends, n'empêche, Théo et Jade, ils sont niveau 23, alors que les autres sont niveau 19, quoi. Le dragon, ça va et toi, mon vieux? Installe-toi, dragon. Tu vois, Arthur, typiquement, le dragon, bon, je lui dis à chaque fois, ça doit le saouler, mais le dragon, il m'a découvert sur Dragon Quest il y a 2 ans, tu vois. Maintenant, il est de retour. Oui. Le dragon, on s'apprête à aller en mer pour chasser une pieuvre géante apparemment, qui embêterait le village. Il y a une histoire de sirène aussi, mais tu connais le jeu, hein, mais... Voilà. On en apprend doucement un peu plus. Je vais pas aller dans les magasins maintenant. Où est-ce que je peux prendre mon bateau? Il faut que je retourne de là où je suis arrivé? Bah oui, c'était juste là en plus. Comment ça, t'iras encore plus loin, Guerrio? Quoi, tu rejoueras à Dragon Quest pour me devancer? Pour me voir... Enfin, c'est ça que tu dis? Let's go, hein. Mais donc, tu vas relancer le jeu. Oh, vas-y, c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. C'est quand, la dernière fois que tu as joué? Non, ça soigne pas. Ça soigne pas? Putain, ça a soigné, mec, arrête, hein, tu mets... Par contre, j'ai dit que je l'ai soigné en pleine mer, mais... Ah, ça va, j'ai reçu, ouais. Ah, mais c'était les bateaux qu'on a croisés tout à l'heure! Bah, YouTube, dans l'épisode précédent, voilà, on a croisé des bateaux. Ouais, c'était eux. Ah, il y a un bateau en moins. Il y avait 3 bateaux, normalement. Je connais pas le jeu, je le joue, donc je suis... Mais si tu connais le jeu, si tu racontes. Est-ce que je prends le combat ou pas? Ah, je peux le prendre, c'est des noobs. Oh, 39 de dégâts, mais c'est incroyable! Comme toi à l'époque. Let's go alors, c'est trop cool! T'as été dormir, c'est toi qui mens. C'est vrai que j'ai passé une nuit. C'est vrai, Arthur, j'ai passé une nuit avant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, j'ai rien dit, Arthur. Bon, on va l'achever, hein. Oh,
ça c'est fait. Toi, est-ce que t'as appris de nouveaux trucs Ouais, vas-y, on va faire ça. Hein. Ha! Ha! Ça, ils rateront leur prochaine attaque et putain, non, ils ont une. C'est Bang. Bang, moi j'adorais quand j'étais petit Arthur dans Dragon Quest 8, c'était mon sort préféré, clairement. Allez, mais Batacha, il est nul quoi. Il est vraiment nul, niveau dégâts, c'est un truc de ouf. Surtout qu'avant c'était un de mes plus forts et c'est devenu maintenant un peu Osef quoi. Oh, lui il fait 30, t'imagines? Son coup de fouet il a fait 30 et 21. Et Batacha il a fait 21. Ou 23 genre. Allez bien, monte de level, c'est bien. Faut que tu level up hein. Oh. Oh, griffe de fer. C'est quoi, on pourrait regarder un peu l'équipement l'équipement de lui là, Théo. Ah mais elle a les griffes de fer aussi un peu, donc j'en avais déjà. Oh regardez comment il se tient du coup. Insane comment il se tient. Incroyable. Avant le sort, Bang faisait une explosion directe sur les ennemis. L'explosion est sur ton perso. Alors ça je comprends pas. Ça je comprends pas trop. Parce que pour moi l'explosion elle est sur les ennemis, tu vois, donc je comprends pas trop. Après les effets vont jusque chez nous, la lumière et tout, mais tout dépend des ups de tes armes quand tu forges. Ouais parce que regarde, moi en fait, de base j'avais mon épée en bronze. Que j'ai up plus 3, tu vois, mais j'ai trouvé ça, mais bon, je sais pas. Il a chier, il faut vraiment que j'achète une autre arme ou que faut que je gère quelque chose. Est-ce que je les soigne? Non, on y va comme ça. Ils ont des plus. Ah ouais? Ah oui, des plus, mais moi aussi. Mais j'ai pas forgé 1000 armes, quoi. These must be the gallant squid hunters. I wonder which ones our blushing husband to be. Yoo-hoo! Over here! Excuse me, which one of you big brave boys is Kai? Gros, je crois qu'ils appellent parce qu'il y a un problème, je pense. Hein. Ils croient vraiment entendre quelque chose. They look like they're saying something, but I can't quite make it out. A good view? I love you! Non mais je sais Arthur, c'est juste qu'au début, c'est lui qui faisait le plus de dégâts, c'est juste ça. Pendant longtemps, dans mes souvenirs, c'est lui qui faisait des dégâts monstres, et je trouve qu'il en fait beaucoup moins. C'est tout. Mais c'est vrai qu'il est multi quoi, ça c'est vrai. C'est vraiment par rapport à avant que je dis ça. Oh! Jesus! Above you? Jesus qui raid! Il va se passer un délire là en plus. Il va se passer un délire en plus là, je pense. Comment tu vas, Jesus? Mais attends, mais tu m'as. C'est le deuxième raid en peu de temps là! Salut Nina! Comment ça va les gars? Bienvenue, bienvenue. Il va se passer un délire là maintenant dans le jeu, incroyable. Tu faisais de quoi de bien, dis-moi? Moi ça va, je sens que je suis un peu fatigué, mais ça va, je suis bien. J'avais froid, j'ai mis un pull. Je mets jamais de pull en stream. Jamais, jamais, je suis toujours en t-shirt. Et là j'ai un peu froid. Hein. Peut-être mon chauffage, là, il n'est pas trop chaud, c'est pour ça. Hein. Last of Us 2, oh là là. J'économise pour ma PlayStation 5 et Last of Us 2 sera une des priorités. J'ai hâte. Mais bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je bois un petit coup pour regarder ce qui va se passer parce que là... On rejoint un groupe de pêcheurs. On est en bateau, on est en mer. On rejoint un groupe de pêcheurs, ok parce qu'on en cherche un en particulier, qu'on est censé ramener à une sirène qui le cherche pour se marier avec, ok. Et le groupe de pêcheurs qu'on rejoint là, eux sont partis en chasse. Car apparemment, il y aurait une pieuvre géante, je sais pas trop. Je sais plus comment ils ont appelé ça. Une pieuvre qui les empêcherait de pêcher et de vivre normalement. Et on est venu les rejoindre pour ça. Et là, de loin, ils nous faisaient des grands signes. Et là, je vais cliquer et on va voir ce qui se passe. Donas, bienvenue. Ce jeu que j'ai platine. Ah ouais? Ah, moi, je suis toujours en full découverte. Bienvenue, Donas. Un calamar, let's go. Look out! Up there! Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? What? Un bateau? Oh, ça va, il nous est pas tombé dessus.
Encore ? Mais c'est pas le même qu'on a croisé au début ? Je me rappelle plus si on l'avait tué ou pas, non, du coup. Il est déjà sur notre bateau, tu sais. Ah, le fameux troisième bateau que je cherchais, bah oui, il était là, en fait. Release the Kraken, let's go ! Et merci encore pour le raid, hein. Eh, bisous et bienvenue à tous, hein, les amis. Dragon Quest 11. Voilà, bah écoutez, un petit combat de boss, hein. Une petite claque qui nous a mis. Oh, ok, pardon. Ah, ça va être complexe. Oh, j'ai pas Serena dans mon équipe, là. Écoutez, là, ça va devenir stratégique. En plus, on voit pas mes persos tellement elle est grande. Oh, ils sont tout petits, mes persos. Attendez, je sais pas quoi faire. Réduit nettement la défense d'un seul ennemi. Oh, il y a deux, oh, y a deux tentacules à attaquer. Oh là là, on doit blesser deux de ces tentacules. Et puis là, oh là là. Allez, on va viser le tentacule gauche. Voilà, on a enlevé la défense. Et là, on va attaquer, hein. Tentacule gauche. La tranche du poulpe, moi j'adore. Oh, il se protège avec le tentacule gauche. Là, je joue qui, là? Je joue Batasha. Un petit foudre sur la tentacule gauche, du coup. Encore. On va focus, on va vraiment la focus. On est d'accord. Par contre, il faudrait que je soigne quand même Véronica. Tu vas bien, toi, Jesus? Tout se passe bien, tes streams, tout ça, c'est cool. Bonne envie, tout ça. Le truc, c'est que faut abuser de la force. Ouais, mais là, voilà, la force, moi, j'en ai pas du tout abusé encore. En fait, je t'explique, j'ai commencé le jeu... Enfin, cela fait rapide, hein. J'ai commencé le jeu en 2018, sur YouTube. Puis j'ai arrêté pour plein de raisons, je sais pas pourquoi. Si, aussi, je suis bête. J'ai arrêté parce que mon disque dur de ma PlayStation avait cramé. Enfin, il fonctionnait plus. J'ai recommencé en 2020. Et en 2020, j'ai fait une pause. Là, une vraie pause, je sais pas pourquoi. Et là, j'ai repris, ici en 2022, la semaine passée, vendredi passé. Et du coup, il y a plein de trucs que je dois me remettre dedans. Et la forge, à l'époque, je forgeais un peu. Mais là, ça fait longtemps. On va tester balayage de feu ? Et le feu sur une pieuvre, ça doit pas être dingue. Tentacule gauche, hein, on va tester. Hey. 78. Dommage, c'est pas... ça touche pas tout, là. Tu vois, tactique aliment pour changer de perso. Ouais, je sais bien, je vais sans doute changer de perso, mais je sais pas, je vais peut-être tester un petit peu cette compo, là. Je pensais ramener, ouais, Serena, mais je vais garder un peu comme ça. TDD, j'ai utilisé la force juste pour la fin. Ouais, c'est un peu con. Hein. Je vais essayer de pas faire la même chose. Véronica, est-ce que je continue de focus? Glace au tentacule gauche. Silent Saw, je voulais faire soin régulier. Sont réguliers sur Batasha. Tu veux que je le buff comment quand tu dis buff-le? De quelle façon? Tu reprends doucement? T'avais fait une méga pause ou quoi? T'avais fait une pause? Ta-da-da. Bang, ça touche tous les persos. Ouais, pas seulement les groupes. Ouais, c'est bien. Foudre. Foudre, ça fait pas mal de dégâts. Hein. En plus, on a fait que la... Ouais, nickel. Que la tentacule soit plus faible. Huch! Oh, ça touchait que un peu. Ah. Oh, Batasha, 4 points de vie. Oh. Quoi? En fait, c'est pour ça, il me laissait attaquer depuis tout à l'heure, et puis il a d'un seul coup décidé de tout. Je comprenais pas pourquoi il attaquait pas, tu vois. Et là, il a tout sorti. Des bisous, Nina. Des bisous, à la prochaine. Monsieur Adara, de retour. Bon. En gros, s'il peut mettre des effets. Oui, mais... Oui, je suis bien. Mais là, du coup, je sais pas, je réfléchis.
Je crois que tu voulais dire un truc en particulier qui était intéressant de faire. On va changer de perso, mais bon, c'est tous mes mains qui sont morts. elle a rien pour réanimer, hein, donc on va devoir... J'ai été un peu surpris, je vais pas vous cacher. Ah merde, attends, je suis dans l'alignement. Serena, let's go. Toi, let's go. Et Eric, tu vas rester là. On va réanimer Bata. C'est pas tape de fort, hein. Des bisous, Nina. Des bisous. Là, je joue Jade. Bon. Jade, tic-tic, croisement, coup de pied, retournant. Mi-volant. Jade, je la connais pas encore trop. Hein. On va s'occuper des tentacules, j'imagine, avant de viser la pieuvre en elle-même. Hein. Ok. Je rejoue Jade. Ok. Évalue la situation, d'accord. Allez, je peux jouer. Oui, voilà. Alors, ça, on va tenter le rappel. Hein. Sur Batacha. Une chance sur deux. Ah, j'ai pas encore réussi une fois le sort rappel, j'ai l'impression. Aïe. J'ai l'air que je recule les points tel un rat. Bah ouais, t'as raison, t'as vu le nombre de récompenses qu'il y a maintenant. Ah, je peux retenter direct. Je comprends pas toujours comment ça fonctionne. Ah non, c'est lui. Oh putain, je croyais que c'était nouveau Serena. Ah merci, mec. Oh, y'a que dalle de PV. Oh, ils vont tous mourir. S'il enchaîne les attaques, c'est instant mort, quoi. Toi, t'as rien. Toi, il faut que je lui donne des objets à elle. Mais bon, au moins, elle, c'est la seule qui attaque. Coup bestial, est-ce que ça pourrait le faire? Ça ferait plus de dégâts, quand même? C'est une bête, une pieuvre. 52. Ok. Attention, souffle glacé, peut-être? Non. Là, je joue Théo. Théo, il a soin partiel. Il va soigner lui-même, je pense. Ou Jade. Non, lui-même, vu que lui, il peut soigner et réanimer. Soin partiel aussi sur Jade. Et puis là, on est reparti, là. On est reparti, là. Monsieur, tu vas faire bang. Hein. On va tester, voir les dégâts que ça fait ici. 12... Ah, 19 et 20, juste sur la tentacule. T'as vu, Arthur? Ça n'a pas touché la pieuvre en elle-même. Ah, il a endormi Serena. Est-ce que... Comment ça se passe, là? Il faut que je l'attaque, lui, en fait. Sinon, il fera pousser ses tentacules tout le temps. Oh là là. Oh, il y a des sorts de... Oh, Elec invoque des petits projectiles constitués d'énergie des ténèbres sur un seul ennemi. Un seul ennemi dans l'au-delà. Il a super glace. Oh là là. C'est vrai que lui, c'est la première fois que je le mets en combat, hein. C'est la première fois que je le manque. Réflexion. Érige autour d'un membre de l'équipe une barrière qui repousse tous les sorts. Ça pourrait être bien vu qu'il a une vague de froid, l'ennemi. Il a une attaque. Déconfuse, rappelle les illusions. Ok. J'ai envie de faire réflexion dans le doute. Dans le doute, ça pourrait repousser s'il refait vague. Parce que c'est comme ça qu'il nous a explosé. Attends. Autour d'un membre. Oh, je suis trop con, c'est autour d'un seul membre. S'il se protégeait avant son tentacule. Du coup, les dégâts du bang. Ah, je vois Arthur, d'accord, je viens de comprendre. Ok. Souffle de froid égale un sort. Ouais, je sais bien. Ah, différent d'un sort. Souffle de froid, c'est différent d'un sort. Ah. Ok. Bon. Ah, bon. Bon. J'ai envie de tester Super Glace. Je peux même pas prendre trois ennemis différents. 24! Oh my god! Survie, Bat! Survie encore! Ok, il est mort. J'aurais dû le soigner, mais non, j'avais même pas de soin. Et je vais galérer, hein! Théo, il est par terre? Théo, pourquoi il est par terre, Théo? Oh my god, c'est la loose!
Ah bah ouais, il semble dur, ouais. Il semble dur, effectivement. Ich, Théo, faut pas qu'il meure. Ah merde, putain. En plein sur Théo. Non mais c'est ouf, c'est insane comment il enchaîne. C'est insane. Jade, qu'est-ce que tu peux faire? Continue d'attaquer, c'est tout ce que tu peux faire, toi. Ouais, il faut que je change, il faut que je rajoute les... Ouais. En fait, j'hésite, parce que là, je voudrais rappeler Théo, quand même, tu vois. Faudrait que je prenne Silent Do, à mon avis, et que... Oh, putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, désolé, je suis un noob, hein. Moi, j'en découvre le jeu après longtemps, donc les strats et tout, j'en ai plus aucune. Ah bon? Le mieux, c'est quoi? C'est on se soigne? Le mieux, c'est on se soigne. Attends, de toute façon, attends, déjà en fait, tactique, alignement. Et j'ai... Ah, Silent 2, il est mort! Il reste plus qu'Eric. Mais Eric, il est nul à Yesh chez moi pour l'instant. Il est mort, Gran. Il est mort, en fait, je savais pas. On va quand même se soigner. Guerrero, tu vas galérer. Après, ça se trouve, t'as bien géré tes stats et tout, de ton côté, hein. Donc toi, t'as quoi? T'as Kaias, invoque un saut de terre qui inflige des dégâts à l'ennemi à chaque fois qu'il tente une action. Ça, c'est bien, parce que ça va, sur la durée, ça va nous aider, hein. Il faut que ça passe, par contre. Ok, ça passe. Ça va être bien. Please. Des bisous, Jesus, merci pour le raid. Hein. Passe une bonne nuit, hein. Prends soin de toi. Hein. Désolé, je suis plutôt focus. Des bisous, hein, Jesus, des bisous. Ok. Boom Metal. Tu vois, les attaques qu'il a avec son putain de... Pardon, de... Hein. C'est vraiment... C'est décevant, quoi. Objet... Ah, mais lui, il a... Oh, lui, il a des objets de soin. 30 PV à quelqu'un. Vas-y, sur Théo. Ça lui permettra d'encaisser un coup. Toi, un petit rappel sur Bata, peut-être. On tente. Est-ce que je me fais détruire? Non, mais faut savoir. Oh putain, mais Serena, elle rate tout le temps. Oh, Eric, il est KO. Il faut que je me soigne. Les combats de boss dans Dragon Quest, c'est des combats d'endurance. Hein. Au moins, là, on a fait Kaias. Mais en fait, je voulais pas jouer Poignard. Je voulais vraiment jouer Boomerang. Et puis ça m'a saoulé. Puis j'ai eu d'autres persos. Donc je l'ai un peu mis de côté. J'avoue. Et voilà quoi. Parce que tu as assez. Ouais, j'essaie avant de partir. Tout va bien. C'est vrai que je lui fais que dalle de dégâts. Hein. Faut que j'attaque quoi. Je pouvais pas l'endormir, hein, par contre. Ah quoi? Je croyais que j'avais attaqué la... Merde, je pensais que j'avais attaqué la bonne... Attends, je vais quand même faire un truc. Alignement. Ou j'envoie Silent Saw. Silent Saw, il a pas mal de trucs... de buff, etc. dans tous les sens. Je voulais mettre Jade pour qu'elle fasse un max de dégâts, mais... C'est devenu un cercueil. Je peux pas. Je peux pas ramener quelqu'un sur le terrain. C'est devenu un cercueil. Je peux pas le réanimer du coup. Peut-être que je peux. Ça a raté, mais peut-être que je peux. Mais j'ai l'impression que je dois juste abandonner. Je peux? Ok. J'ai vraiment l'impression que je dois juste abandonner, quoi. Soin partiel. Oh my god, je passe mon temps à me soigner. Il y a encore le Kaias ou pas? Putain, un bata qui meurt.
Non mais c'est... En fait, faudrait que je recommence. Faudrait que je recommence ce combat, non? Vous pensez pas? Écoute, je crois que de toute façon, je vais la recommencer. Franchement, mais c'est chaud ce qui nous met, putain. C'est beaucoup trop chaud. C'est un coup de chance, ouais, bien sûr. Mais bon. Mais après, c'est pas grave, hein. Moi, je suis content que ce soit difficile. Hein. Même si c'est un peu cheaté. Genre, c'est la pieuvre, elle est cheatée. Elle est complètement cheatée. Ça, on peut vraiment le dire, mais bon. I'm not done yet. Je peux peut-être attaquer une fois. Putain, mais c'est... Je passe mon temps à me soigner, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? En fait, c'est chiant. Vas-y, Arthur, conseille-moi. Moi, je dois réapprendre à jouer à ce jeu. Hein. Tu vois, je suis dans un cycle. Voilà, allez, tue-moi, tue-moi. Ah non, même pas. Elle est pas si cheatée que ça. Ah bon? Mec, allez, tue-moi, qu'on en finisse. Toi, t'es pas cheaté. Ah bah non, ça, c'est clair. Franchement, c'est bien. Je suis content. Que ça soit terminé maintenant. On va partir sur de bonnes bases. En vrai, je suis hypé, parce que ce jeu-là, c'est de la bonne strat. Depuis la dernière sauvegarde, dernier lieu visité. Et ils me disent pas... Sauvegarde automatique dans la mer. Ah bah, let's go. Ah bah, let's go. J'espère que c'est... Oui, ça doit être ça. Après qu'on ait tout visité de la ville, quoi. Faut te mettre en position de défense. Ouais, j'ai pensé à ça après. Mais comment savoir à quel moment il va frapper? Ouais, mais il faut que je joue avec les buffs et les debuffs, ouais. Et que je me mette en position de défense. Je retiens les amis. Mais à quel moment je me mets en position de défense? À quel moment je suis sûr de ne pas perdre un tour? Faut que je compte, en fait. Déjà, est-ce que... Attends. Je vais ramener Serena là, pour l'instant. Natasha... Oh, éclairé. Pourtant, j'ai pu te le voir, vu qu'il a jamais de points. J'ai jamais de points à distribuer, donc... Jamais quasi. Ah oui, mais l'option se défendre, je sais que c'est, ça peut être cheaté si tu l'utilises bien, tu vois. Les points du papy. Ah ouais? Merde. C'était bien Hexagram en fait. Ah oui, il a 20 points. Ah oui, c'est vrai. J'attendais de lui donner, lui, c'est vrai. Griffe. De toute façon, il a pas pu attaquer beaucoup, quoi. Ça, c'est Cannes, et ici, on avait déjà été un peu voir. Force, ok. La puissance d'attaque lors d'un maniement d'une griffe, ça c'est bien, let's go. 3 points, plus que dalle. On va par là, hein. Lame hélice, attaque tourbillonnante et venteuse à deux griffes qui visent un seul ennemi. Okay, let's go. Compétence, là. Et maintenant, on a... On a griffe. Ah non, quoi? Chance d'esquiver avec la griffe. Coup critique. Vas-y, esquivez. Là, il nous reste déjà que dalle de points. 6 points. Et là, en dessous, c'est... Ah, c'est 6. Allez, coup critique, vas-y. Hein. Je vais d'office le faire jouer à la griffe. Là. Je veux. Bon. Là, j'ai mis E. Jade, elle fait juste beaucoup de dégâts, donc c'est utile. Mais est-ce que je dois focus les tentacules ou le corps? Elle, on va faire bang. On va regarder un peu les buffs aussi qu'elle peut donner ou les debuffs qu'elle peut envoyer à l'autre. Mais c'est elle qu'on va essayer de charger de faire ça. Je vais donner des objets de soins peut-être à elle, du coup.
Objet. Non, non, attends. C'est qui en avait beaucoup? Ben, c'est lui qui en a beaucoup. Herbe curative, c'est quoi? Guérir un poison. Ah, donc il a que deux herbes médicinales. Je pensais qu'il en avait beaucoup plus. Transférer. C'est vrai que j'achète plus d'objets de soins, moi, dans le jeu. J'en achète pas. Je devrais, hein. Sac à objets. Ah, j'en ai quatre ici. Transférer. Un jade. Je peux lui en donner deux à elle. Je sais que j'ai des graines de force et tout, et ça je le répète, j'attends un petit peu encore à l'utiliser. Tadana, tu peux tester les touches carré-croix. En bateau ça fonctionne. Le triangle ça m'ouvre le menu, rond c'est... il se passe rien. Carré c'est la carte. En vrai c'est pareil sur le sol. Hein. Allez, tantôt ils m'ont mis un combat juste avant, j'aimerais que j'en ai pas là. Yeah. Focus corps, bah oui, on va focus le corps. Hein. Ça t'apprend les tentacules quand elles le défendront. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je laisse la cinématique. Ooh, these must be the gallant squid hunters. I wonder which ones are blushing quand ils sont la carte. Hein? Pourquoi tu me dis ça? Tu m'as juste dit appuyer touche carré, croix, etc. Mais je comprends pourquoi tu me parles de menu carte. Over here! Excuse me, which one of you big brave boys is Kai? Et mais je comprends pas quand même ce que tu me dis. They look like they're saying something. Donc je teste les touches carré et croix quand je suis dans le menu carte? A good view? I... Above you? Look out! Up there! J'étais déçu que ça passe vraiment juste à côté du bateau, quoi. Mais en même temps, tant mieux, sinon le bateau il aurait été cassé. Tu peux faire monter la tension de tes personnes en te protégeant pour mieux le taper après. Oh, you have got to be kidding! Ok. Mais encore une fois, se protéger, je sais pas c'est quand le bon moment pour le faire. Les amis, on est entre nous. C'est comme à l'époque, quand je streamais Dragon Quest, bah on n'était pas beaucoup, hein, à l'époque. Et on a aussi combattu une pieuvre géante, ça me rappelle un peu à l'époque. Même mood dans le chat, même mood... le même mood. Bon, c'est parti. Il se protège, super. Elle, ça avait rien fait de dingue, hein, tout à l'heure. On a juste balayage de feu. C'était pas insane, mais si j'ai quelqu'un d'autre en hypertonique, je peux peut-être faire quelque chose de cool. Saut qui inflige de gros dégâts. Vas-y, on va tester sur la tentapieuvre, frapper avec nos fesses. Alors, torpeur, ça sert à rien. Bah écoute, on va faire les dégâts, hein. On va continuer de faire les dégâts. Quoique, ça servait à rien, en fait, vu qu'il se protège. En fait, je suis con. Quand il se protège, ça sert à rien. Putain, mais Véronica, elle est déjà par terre. Et elle a 20 PV. J'avais pas compris que c'était sur la carte, Arthur. C'est pour ça. Pour ça. Les combos sont plus intéressants, je sais bien. Bon, je suis saoulé parce que là, je voulais regarder... Enfin, tu vois, je voulais tenter des choses. Ben non, je vais devoir déjà la soigner, celle-là. Des bisous, nanan. Ciao, ciao. Des bisous. Merci d'y passer. Là, il se protège encore ou pas? Non, il a attaqué. Si, il se protège encore. Tu vois, c'est de la merde. Ça va me saouler. C'est insane. Tu vois, je ne sais pas du tout. Mais c'est insane ce qu'elle me met. Le problème, c'est que là, Guerrio, je sombre déjà dans un cycle où je vais me soigner encore et encore et encore.
toute façon, on va réduire la défense, hein, mais... Sorry. Raté. Yeah. Sphinx qui raid! Deux raids là! Mais bienvenue les gars! Oh, Wapak qui est là aussi! Let's go! Qu'est-ce qu'il y a à zéro, Arthur? J'aurais pas dû faire une protection? Change avec Saivando, Théo? Attends, alors les gars, installez-vous. On est dans un combat tryhard. Je suis fatigué. Le jeu m'énerve. On a un combat de boss et c'est galère. C'est super galère. Bienvenue à tous, installez-vous. Sphinx, merci pour le raid. Attends, je branche ma manette. Comment tu vas, Sphinx? On y motte là, what the fuck. Attendez, j'ai des caps partout. Installez-vous, on est dans Dragon Quest. Gros combat de boss et vraiment c'est dur. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Vous avez pas idée les gars. Vous avez pas idée. Wapak aussi. Vous savez, moi j'ai toujours pas d'emote animé, hein. Je suis dégoûté, hein. J'en ai toujours pas, hein. Je suis trop triste. J'ai pas les emotes followers non plus. Je sais pas si vous les avez, vous deux. Bon, des petits, je savais pas que Wapak et toi vous connaissiez. Ah ouais, bah ça fait longtemps, hein. J'ai connu Wapak avant toi, d'ailleurs, Sphinx, en vrai. Comme quoi, tout est lié, hein. Super accéléro pour aller plus vite que le calamar, petit conseil. Mais, ouais. Ouais, bah on va le faire, hein. Donc les gars, on est contre une pieuvre, on est sur un bateau, j'ai 4 personnages. Ils sont vraiment trop forts. Enfin, il est vraiment trop fort, pardon. Il a 2 tentacules, mais quand je les coupe, ça respawn. C'est un enfer. C'est un enfer. Et vraiment, je suis fatigué. Il est trop tard pour ces conneries. J'aurais aimé avoir ce combat au début de live, tu vois. Donc, let's go. Bienvenue. Arrête pour mettre un désastre ensemble, putain, mais envoie-moi de la force. Mais regarde! Il vient de tuer ma soigneuse. C'est incroyable. Heureusement, Batasha, il a un... Il a une feuille d'Yggdrasil. Hop, pour Serena. Le dégoût de bataille, je viens de choper les emotes follow il y a 3 heures, c'est vrai? Oh mais let's go! Oh, mais c'est cool! Bah, GG. Ah ouais, non mais vous êtes vraiment arrivé au bon moment. Tu sais, j'étais occupé d'être saoulé, parce qu'aujourd'hui il y avait moins de monde. Et c'est dommage parce que ce jeu, je le kiffe et tout, et au premier live, il y avait plein de monde. Et du coup, j'étais content, et là, moins de monde. Et là, maintenant, ce combat des enfers? Ça va aller. Vous le savez tous les deux, vous savez que je suis un pro-gamer. Allez, je retrousse mes manches là. Et on va win. On va win. Mais comme c'est de la grosse strat, alors aussi je vous mets en situation. Le jeu, je l'ai mis en pause pendant presque 2 ans. Et du coup, j'ai un peu oublié les strats, quoi, tu vois. Je les ai aussi, putain, mais moi je les ai pas. Mais trop bien, mais trop bien en vrai. Mais je sais pas comment ils font pour distribuer ça, parce que les premiers qui ont eu les emote followers, ça fait déjà longtemps. Donc je sais pas pourquoi ils mettent autant de temps pour le distribuer à tout le monde, quoi. C'est une grosse pieuvre, ouais. Mec, elle te met une gifle, genre, tu exploses. Ok, là je joue elle. D'accord, qu'est-ce que tu as de bien? Réduire l'agilité... Ouais, je peux réduire l'agilité de l'ennemi. Mais tout à l'heure, il n'y a rien qui marchait tout à l'heure. J'ai fait quoi tout à l'heure? J'avais essayé de descendre sa défense et ça n'avait pas marché. J'ai l'impression que les sorts ils vont pas fonctionner, donc je vais faire un petit décéléro. On y croit. Salut SS! Quelques conseils, la position de tes persos influe sur les chances qu'ils soient attaqués. Envers Serena et Jade. Ah ouais? C'est vrai? Super accéléro, c'est la base pour survivre. Ah ouais? Ok. Écoute, je réapprends moi. Super. Attends, super accéléro? Mais je sais pas qui l'a. Est-ce que Serena elle l'a? Possible. Donc tu veux que j'inverse la position? C'est vrai que ça, je me rappelle qu'il y avait ce genre de truc, mais. Toi, l'ordre c'est 1, 2, 3, 4. Mais qu'est-ce que ça changerait que je les inverse? Les sorts de debuff ont les chances de rater. Bah ouais, il rate tout le temps chez moi. Donc c'est bien. Je peux lui faire confiance? Let's go. Ouais, c'est ce que je comptais faire, Decelero, c'est ce que je comptais faire. Je réfléchissais, mais c'est ça que j'avais prévu. En espérant que ça passe. Putain, tu vois, depuis qu'on a commencé le combat, Véronica, elle a fait 2 sorts. Les 2 sorts, ils sont pas passés. Et j'ai dû la soigner déjà de ouf, quoi.
Bon, combo d'équipe, à un moment, elle va le perdre. Hein. Elle va le perdre à un moment, elle. Hein. Donc, et elle a que dalle. Elle a que dalle. Je peux juste attaquer, mais de nouveau, ça va être sa tentacule. Non. Premier dégât, je lui mets. Il se protège avec celle de gauche, mais non, ok. Est-ce qu'il va enchaîner ou pas? Bon, là, je joue Batasha. Batasha, il a que dalle aussi pour gérer les autres, quoi. Je vais soigner Serena. J'ai pas le choix, par contre. Le premier se fait plus attaquer que le quatrième, en gros. Ah ouais? Ah putain, j'avais oublié ce détail. Après, je le remarque pas tant que ça, mais c'est vrai que ça me parle. Hein. Ouais, il tape... Ouais, c'est vrai qu'il... Mais il tape un peu tout le monde, ouais, celui-là. Bah, je voudrais réduire la défense, hein. Je voudrais y arriver, quoi. Raté encore. Putain, quel enfer. Et là, on a qui de KO, là? Bah, Véronica. Non, mais en fait, je vous le dis, je vais devoir aller m'entraîner. Je vais devoir aller combattre et level up, hein. Je crois que j'ai pas le choix. Je crois vraiment que j'ai pas le choix. Déjà, sur la route, en bateau, dans l'eau, les mobs étaient trop forts. Arthur, Super Shinra, Guerrio, vous êtes d'accord, non? Sur toute la route que j'ai fait pour aller à cette nouvelle île, cette nouvelle ville, les combats étaient déjà trop durs. Enfin, pas trop durs, mais... Hein? Je pense que je dois m'entraîner. Je crois littéralement que je dois m'entraîner. Je crois que j'ai pas le level, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est là que je me dis, moi, je me casse et je vais m'entraîner. En fait, on se balade, on fait d'autres trucs. Alors, en plus, Wapak, dans ce jeu, je me suis mis un truc. Tu peux... comment dire? Comment ça s'appelle encore? Tu peux activer des options pour rendre le jeu plus difficile. Et moi, une des options, c'est que si je farm des mobs qui sont trop faibles, que le jeu considère comme trop faibles, ça me donne pas d'expérience. Je pense pas que t'aies beaucoup de besoin de level up. Peut-être max level sur ceux qui sont les plus bas. Ah mais donc, c'est ce que je dis, mec. C'est ce que je dis, quoi. Je comprends pas... Max 2 level? Ah oui, seulement 2 level. Ah, j'avais pas compris le 2. Il y a aussi que Véronica qui est en arrière que les autres Batasha. Que Véronica qui est en arrière? Mais justement, c'est pas elle qui est censée se faire cibler en premier, c'est Batasha, donc je comprends pas ton message. J'ai fait cette quête beaucoup plus tard dans le jeu. Beaucoup plus tard? Ah, ça me frustre. En fait, je sais plus comment jouer à ce jeu, tu vois. Genre, est-ce que j'aurais dû plus me balader plutôt que d'aller sur l'histoire principale, tu vois? Là, moi, je pense que là, je vais me casser du combat. Hein. Je pense que je vais... Est-ce que je peux seulement charger le... Impossible de fouiller. Je peux même pas charger une sauvegarde. Genre, je vais devoir quitter le jeu. C'est nul. Vous avez les emotes followers, normalement, les copains. Mais je les ai pas encore, hein. C'est ça que je te dis, Fat. Moi, j'ai pas les emotes followers, ni les emotes... les emotes animés. Bon, je sais pas quoi faire, parce que là, c'est rien que je les soigne, donc là, je vais me tuer. Ouais, je vais spammer les attaques. Parce que là, vraiment, même la créature... Enfin, voilà, t'as vu, regarde comment elle enchaîne les attaques, des fois. Même s'ils étaient tous vivants, elle aurait enchaîné pareil. Ah, ça envoie tous les autres? Ça les envoie tous les autres? Je pensais que c'était un game over si les 4 étaient KO devant. Mais non, mais là, de toute façon, là, on se casse. On se casse. Je vais aller faire des petites quêtes et tout. J'ai besoin de me détendre. C'est trop dur, c'est trop chiant. Non, mais les emotes followers, c'est que sur la chaîne. Hein. Oh, tu les as rajoutés, ok. Parce que les emotes followers, c'est que ils sont dispo que sur ta propre chaîne, en fait. Tu peux pas les... Personne ne peut les envoyer ailleurs. C'est... Et tant mieux, comme ça, les emotes de sub, ils gardent une utilité, tu vois. Sinon, tu vois. Ça fonctionne pas de ouf, ben voilà, comme ça, tu sais. Regarde, les 3 premiers, ils sont alignés alors que Véronica est en arrière. Je peux changer ça dans les paramètres. Je comprends pas pourquoi tu dis que Véronica est en arrière. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Elle est pas en arrière, Véronica. Là, elle est KO, donc elle est écrasée en arrière, mais je comprends pas pourquoi tu dis ça. Je vais les avoir... Oh, mais tranquille, je suis patient, hein. De toute façon, même dans mes emotes de sub, il y en a que je dois enlever et en créer des nouvelles, donc moi, je suis pas sûr.
Des bisous, Panda. Encore merci pour tout à l'heure, hein. Pour ta force. Hein. Allez, tue-moi la pieuvre. Je veux me casser. Putain, ce live aujourd'hui aurait été très étrange, hein, je vous le dis. Hein. Très musical, j'ai. Je peux pas faire un combat de dresseur. Pardon, je me rappelle de ça. Mais c'est un peu ça ce qui se passe ici. Je viens de voir ton message plus haut, Apac. Mais moi, je vais voir au niveau des emotes. En fait, j'attends d'avoir toutes les emotes débloquées. Allez, on va aller depuis la dernière sauvegarde, je crois. Vous perdez... je perds de l'argent. Mais je suis tellement pauvre déjà. Putain. Et dernier lieu visité, ça fait où? On perd quand même la thune. La dernière sauvegarde. Qu'est-ce que j'allais dire? J'attends de voir, une fois que j'aurai débloqué toutes les emotes, il y en a combien, etc., etc. Et là, je réfléchirai pour avoir des combos parfaits, tu vois. Lesquels seraient mieux en follow ou en sub, etc. Tu peux mettre en avant ton perso et en arrière des persos dans le combat. Ceux en avant prennent plus de dégâts. Mais je sais même pas comment on fait. T'es sûr que Véronica, elle était... Est-ce que je peux le faire hors combat, ça, ou pas? Putain, mais ce jeu, c'est trop dur à streamer, hein. Là, je suis un peu tristounet, là, genre... Ce live comparé au live de la reprise de ce jeu la fois passée, ça n'a plus rien à voir. Bon, là, je râle pas parce que c'est difficile. Parce que ça c'est bien, en vrai. Mais... Je sais pas. C'est un peu... Mais... Mais on a, tu trouves pas qu'on a trop d'emotes? Déjà, en fait, ils ont lâché les emotes followers, les emotes animés et les emotes de sub, enfin plus d'emotes de sub pour tout le monde. Enfin, pas pour tout le monde du coup, mais il y en a certains qui ont reçu les 3 d'un seul coup. D'un coup, t'as 15 emotes. C'est fou. Alors qu'avant, on était là, on chialait pour en avoir une de plus. On peut le faire aussi hors combat. Mais du coup, c'est... Merde, attends. Je suis trop fatigué pour ces conneries. C'est dans tactique peut-être? Non, suivre les ordres. Combo d'équipe, ne pas. Tadada. Les musiques, elles sont magiques dans Dragon Quest. Magique. Ouais, moi ça me parle pas, hein, 16814. Ça me parle pas trop, ça, Guerrio. C'est bizarre, hein, ce que tu dis, ton histoire. Mais bon, du coup, là où je suis maintenant, qu'est-ce que je peux réellement faire? Je me casse et... Je peux pas passer là, genre? Oh non, le jeu, s'il te plaît. T'en as... Sur Twitch, t'en as 23? 23 emotes sur Twitch? What the fuck? Challenge? Genre quoi? C'est un jeu qui... Mec, il a facile 100 heures de jeu. Enfin, genre, il est big, hein, comme jeu. Vraiment. Franchement, là, je vais faire quelques combats dans la mer, ok. En fait, j'aurais pu charger cette sauvegarde-là. On fait quelques combats dans la mer, tout simplement. On se pose. Je me prends pas trop la tête. Je level up un petit peu. Et puis, on verra. Ça va? Ah, tu l'as déjà fait, Sphinx? Oh, let's go! Trop cool! Trop cool. Mais j'ai entendu dire, de la part du roi Arthur, que des gens speedrunnaient le jeu. J'étais assez impressionné. Après, c'est un long speedrun, j'imagine, du coup, mais... Tididi. Mais moi, ma première partie... Le disque dur de ma PlayStation a cramé. Fais les petits combats et monte tes persos en hypertension. Ensuite, tu les mets en réserve. Ah! Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, donc je pourrais garder l'hypertension. Alors, je vais pas faire ça maintenant, Super Shinra. J'ai envie de les level up un petit peu. Genre, j'en ai quelques-uns level 19, j'aimerais au moins les faire passer level 20. Eh mais attends un peu, Ah ouais, ils ont complètement niqué mon alignement, quoi. Ils ont gardé le setup que j'avais avant de charger ma sauvegarde. C'est nul. Pourquoi ils ont fait ça? Mais en plus, ouais, comme ça fait longtemps, j'ai du mal à gérer le fait qu'il y ait autant de persos. Donc je n'ai pas de compo parfaite. J'ai pas de truc, Moi, je jouais ça, de base. Je jouais ces 4-là. Puis il y a elle qui est arrivée, qui elle, je trouve, elle fait masse dégâts, elle est vachement utile. Ce serait dommage de pas la jouer, mais bon, de toute façon, c'est pas elle qu'il faut entraîner ici, mais... I'll do my very best. Speedrun Mario Party.
Alors, Mario Party, moi j'ai pas joué depuis 1000 ans. Mais genre 1000 ans, mais Mario Party c'est pas juste un jeu multijoueur? Ça se speedrun? Ouais, les gens speedrun tout, hein. Justement, Mario Party, what the fuck? Ou alors c'est moi qui suis peut-être un gros noob, hein. Je suis peut-être un gros noob. Hein. Bon allez. Tu vois là, mais je suis trop fatigué. Je réfléchis plus là. Je réfléchis plus. Je suis trop fatigué. Je vous le dis, le live aujourd'hui, ça fera partie des lives un peu. Mais. Autant, c'est bizarre parce que la semaine passée. Putain, les dégâts que je prends. Vous voyez, ça, c'est les simples mobs. C'est là que je vois que je dois m'entraîner, tu vois. C'est vrai que j'ai même pas été regarder les. Il faut que je revoie mon équipement et tout, en fait. Parce que là, ça va pas, tu vois. Juste des simples mobs, regardez la vie de mes personnages. Il y a des gens qui speedrun le fait de faire un burritos. Bah écoute, il y a des gens qui speedrun la vie aussi, hein. C'est quoi le challenge Draco, les gars? Ah, c'est activer toutes les quêtes draconiennes, c'est ça? Je sais plus, il y a quoi comme quête draconienne en tout. Voilà, il est trop tard pour ces conneries. J'ai plus aucune patience. Je me demande si je devrais pas arrêter de jouer et reprendre la prochaine fois en mode plus tranquille. J'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref. Je vais finir les plateaux en premier le plus vite possible. Vas-y, mais c'est trop stylé ça. C'est trop stylé. Ouais, j'en ai marre. J'ai envie d'arrêter de jouer. J'ai vraiment envie d'arrêter de jouer. Ça me fatigue. Voilà, et là. Tu vois, par exemple, je comprends même pas pourquoi. C'est vous dire vraiment à quel point je maîtrise plus le jeu, c'est pourquoi je le rejoue direct. Je rejoue Salvando que je viens d'utiliser. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse à cette question. Mais je vais cut, ouais. C'est dommage, Arthur, que tu sois venu pour ce live-là et pas l'autre, parce que l'autre il était insane. L'autre il est tout si bien passé, je kiffais de ouf. Et là, ce live. Ouais, mais je vais réfléchir pour le prochain stream. Je vais clairement réfléchir à un cheminement à faire. Je sais que j'avais une quête secondaire à faire à un endroit. Bah, tu sais quoi, on va y aller. Sur la route, on fera des combats. Je vais essayer d'optimiser un petit peu et regarder mes équipements hors live, par contre. Mais comme ça, on voyage un petit peu. Je m'entraîne. Et puis, on retournera faire le boss. Et voilà, tout simplement. Et ça ira. Hein. Plutôt le speedrun, alors. Ok. J'ai les soins plus puissants aussi. Ben en fait, niveau objet de soins, j'ai rien. Mais par contre, j'ai que les sorts de soins en fait. Mais des soins plus puissants, oui. Et pour ça, il faut level up hein, en tout cas. C'est des bisous à ceux qui vont dormir. Des bisous SS. Des bisous à PAC. Ouais, je suis fatigué aussi, donc c'est pas aujourd'hui que je vais vous motiver en tout cas. Je termine le combat, puis je me cassasse en fait. Tu vois, là, je regarde mes menus, je sais pas quoi faire. En fait, je suis un peu dégoûté. Je suis dégoûté du live aujourd'hui. On va le soigner. Des bisous à Pac. Et merci beaucoup, c'est gentil. Mais t'inquiète, ça ira, en vrai, ça ira. Hein. Il y a des lives comme ça où c'est loin d'être le premier et loin d'être le dernier live où je serai dans un mood un peu. Merde, j'y cancel. Un peu naze. La semaine passée, genre, on a fait 5 lives, je crois. Tous insane. Genre, insane sans exception. Je crois que c'est pour ça, hein. Et tu vois, là, je la rejoue de nouveau. Je suis une grosse merde. Là, ce qu'il me faudrait, c'est, genre, Natalia. Si Natalia était là, comment elle me reboosterait? Elle, c'était mon pilier sur Twitch. Genre, dès que je m'énervais, dès que... Tu sais, je rentrais dans un mood un peu là, tu vois. Là, je suis dans un mood où je râle et tout. Natalia, elle me remettait au top direct. Ben voilà, un petit level up! Rien que ça, ça fait déjà plaisir, hein. Ben du coup, ouais, Ouais. Je vais les soigner, si jamais il y a un combat. Même si ça m'étonnerait, mais qui sait. J'ai presque envie qu'il y ait encore un dernier combat, mais... Se remet là et je vais re-sauvegarder à la ville et puis je crois qu'on s'arrêtera. Hein. Je suis un peu, je veux de la douceur. Mais non, je suis en mode je râle là. Je suis dans un bad mood.
Tout le live a été bizarre. Vraiment, tout mon live a été un peu bizarre aujourd'hui. Acteur de film d'action préféré. Tu dis ça à cause de mon joli crâne. Hein? Mais c'est pas magique! Ça se stoppera après le live. Et c'est vrai qu'en général, quand j'ai un bad mood en plein live, comme ça, comme aujourd'hui, en général, je m'arrête que quand il passe et du coup, je fais des gros lives, tu vois. Mais là... Mais je râle pas parce que j'ai galéré contre le boss d'avant, en fait, tu vois. Ça, vraiment, moi, j'aime bien galérer dans les jeux. C'est pour ça que je mets tous mes jeux en difficile, mais... Non, c'est vraiment le stream en lui-même. Level up, y'a que ça de vrai, de ouf. On devrait pouvoir avoir un genre de level up dans la vie, tu vois. Que tu sens que tu level up. Je crois que j'ai déjà vu une... Attends un peu, où est-ce que je vais? Je vais pas du tout au bon côté, là. Mais je me trompe de chemin. Je sais pas si c'était une pub ou quelque chose où tu voyais la personne level up et c'était stylé. C'était vachement stylé. Ça, c'était pas fermé. Non, j'ai pas encore été exploré là-bas. Je suis même pas rentré dans le bâtiment, en fait. Hein. Vu que je cherchais l'église la première fois. En vrai, là, maintenant, le fait d'assumer à 300% que ce live m'a cassé les couilles et que je suis fatigué et que voilà, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Le menu map. Ouais, tu voulais que j'ouvre la map. Menu carte. Et tu veux que je fasse quoi, là? Dis-moi. C'est ça, hein. J'ouvre la carte. Tu m'as dit menu carte. Ta-da-da-da-da. T'es pas censé savoir les stats avant de finir ton stream. Non, mais moi, les stats, je les ressens, tu vois. Je les ressens. J'ai regardé une fois, on était combien à un moment. Ça va, on était pas mal, mais... Même, c'est tout. C'est mon mood à moi, par rapport au jeu et au live. J'étais pas frais, tu vois. Je sais pas pourquoi. Alors que j'étais chaud pour mon live. J'avais préparé plein de trucs toute la journée et tout, j'étais très chaud. Et oui, effectivement, j'ai ressenti qu'il y avait moins de gens. Mais ça, limite, des fois, c'est pas grave. Mais combiné à mon mood qui était déjà un peu chelou, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est bien, ça veut dire que toi aussi, tu regardes pas le nombre de personnes que tu as sur ton live. Et ça, c'est bien, il faut pas. Moi, je dois faire plusieurs manips sur mon stream deck pour voir les chiffres. Le menu change quand t'es pas dans la ville. Aussi, il est utile. Je voulais que tu le vois. Mais je connais ce menu-là. Je croyais que... Je savais pas du tout que tu me parlais de ça, parce que... Arthur, Enfin, c'est le menu classique, quoi. Hein? J'ai sauvegardé? Oui, j'ai sauvegardé. Hein. Enfin, bref. Voilà. Un live que j'oublierai demain, parce que demain, on enchaîne. De toute façon, demain, moi, je live encore. Et voilà. Quand j'ai des lives nuls comme ça, dès le prochain live, c'est tout de suite déjà envolé. C'est bien de jamais regarder, c'est bien. Mais surpris dans quel sens, alors? Dans le mauvais sens? Ou dans le bon sens? T'as pas sauvegardé? J'ai pas sauvegardé? Peut-être vraiment un noob à ce point-là. T'imagines, j'allais quitter le jeu sans sauvegarder. Ouais, je sais pas trop ce que j'avais aujourd'hui. Je suis pas trop. Mais tant mieux, parce que... Enfin, tant mieux, non. Tant mieux que cette semaine, c'est une semaine soft pour moi. J'ai prévu vraiment que deux streams. Et peut-être que j'ai besoin de repos. Pourtant, j'avais pas l'impression. Je sais pas ce qui a cloché aujourd'hui. Je me demande vraiment ce qui a cloché. Ah, tu faisais une vanne. Ok, d'accord, ok. J'ai plus de cerveau. Je n'ai plus de cerveau. Ouais. Oh, c'est nul. C'est nul d'arrêter un live comme ça. Ça me dégoûte. Ça faisait longtemps que je n'étais pas arrivé à un live vraiment, vraiment comme ça. Et c'est vrai que le combat de boss en mode tryhard, il est tombé vraiment pas le bon jour, quoi. T'as rien à faire. C'est à cause de toi. Mais non, c'est pas à cause de toi. Pourquoi? Pourquoi ce serait à cause de toi, Arthur? Pourquoi? Merci, Sphinx. Merci. Maintenant, j'ai chaud. Déjà, je mets jamais de pull en stream. Alors déjà, quand je mets un pull en stream, c'est déjà un peu bizarre. Hein. Bah ouais, c'est ça que je me dis. Hein. C'est ça que je me dis. Mais en vrai, ça allait encore. Ça allait encore, mais j'ai été... Disons que j'ai reçu un coup de grâce avec... Avec le combat de boss, quoi. Alors que, en vrai, c'est hypant d'avoir un combat comme ça.
Genre, tous les combats qui durent longtemps, où il faut bien réfléchir et tout, c'est cool, mais là, j'ai quand même vraiment pas le level. Du coup, ça m'a mis le coup de grâce, quoi. En plus, les deux raids que j'ai reçus, le raid de Jesus et le raid de Sphinx, c'était vraiment pendant ce combat-là, tu vois. Vraiment au summum de la merde, on va dire. À la base, les Dragon Quest sont plus durs que les FF. Ouais, mais je sais en plus qu'il faut faire gaffe, hein. Je sais, hein. Mais c'est vrai que, si vous regardez bien, je combats pas beaucoup. J'esquive beaucoup les mobs. Parce que je me rends compte que la difficulté, ça va encore, tu vois. Et du coup, maintenant, je... Bah, sur un combat de boss, j'ai le contre-coup. Et je me rends compte que j'ai peut-être déconné. Et que je devrais peut-être plus faire des combats, quoi. Parce que j'en esquive pas mal, hein. Miroir qui raid ! Mais non ! Mais c'est quoi cette soirée, tout le monde qui raid ? What the fuck ? Ah, j'entends même pas la musique. Pas mes écouteurs. En fait, je vais débrancher ça. Bienvenue, Miroir, comment tu vas ? Merci pour le raid, c'est gentil ! J'étais occupé de râler. J'étais occupé de râler sur mon stream, râler sur le jeu. Donc voilà, je coupe plutôt que prévu. Enfin, plutôt que prévu, il va être une heure, en fait. En fait, il va être une heure, hein. Je suis en live depuis 5 heures, Arthur. Très bizarre, ce live, hein. Ben moi, ça va, mais un petit mood un peu chelou. Je sais pas, mon stream était bizarre, le jeu était bizarre. Voilà, donc je t'ai occupé de me plaindre. Bienvenue. C'est Bamo, bienvenue, installe-toi. Donc ouais, je clôture un petit peu. D'ailleurs, YouTube, je suis toujours en vidéo, là. Oh, je suis en vidéo, YouTube. YouTube, qu'est-ce que je fais de toi ? Je te garde tout ça ou est-ce que je cut des trucs ? Non, on va tout garder, hein. On garde tout, nous. Donc YouTube, des bisous. La prochaine fois, on éclate la pieuvre, hein. D'accord ? On va focus, on va faire ça bien. Salut YouTube.